Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des problèmes que j'ai rencontrés avec mon camping-car en partant en vacances. Donc je roulais tranquillement depuis une cinquantaine de kilomètres sur une double voie. Je veux passer la sixième. Hop, impossible de passer la sixième. De ce coup-là, je prends la première sortie qui se trouve à environ 100 mètres devant. Hop. Je sors, je me gare, c'est tout. Une fois garé, j'essaye un petit peu de passer les vitesses. Ça fonctionne bien. Les vitesses passent bien, tout. Je passe la première, j'avance, mais impossible de passer la seconde en roulant. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc aussitôt, ben, je téléphone à mon assistance. Après quelques renseignements téléphoniques, elle m'envoie une dépanneuse. Et tout, j'attends donc environ trois quarts d'heure après. Donc le dépanneur arrive et regarde au problème de l'embrayage. Bon, mais il me dit comme quoi qu'il est HS. C'est tout, il accroche le camping-car et direction le garage. Première conclusion du chef d'atelier, l'embrayage est bon à changer. Bon, tout le monde s'en doutait, pas de surprise. C'est tout, je retéléphone à mon assistance pour m'envoyer un taxi pour me reconduire chez moi. Franchement, au niveau de l'assistance, très réactif. Mais à partir de là, il faut bien réfléchir pour préparer le retour avec le taxi et ne rien oublier dans le camping-car. Donc, en premier, bien fermer les lanternes, couper l'alimentation de la cellule, récupérer les aliments frais dans le frigo, le dégivrage du frigo, les médicaments, quelques affaires, le matériel informatique et photographique. Le principal, c'est de ne rien oublier. Une bonne semaine après, le garagiste me prévient comme quoi que le camping-car est prêt. Alors, je retéléphone à mon assistance pour m'envoyer un taxi et récupérer le camping-car et continuer mes vacances. Donc voilà mon histoire. Donc un grand merci au patron du garage de la Bécherie à Soissons pour leur gentillesse, leur réactivité, principalement au dépanneur Monsieur Bernie et le chef d'atelier Monsieur Christophe. Voilà, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, le pouce vers le haut et de vous abonner. Allez les amis, à bientôt!